Alors nous, le CRPF, le Centre Régional de la Propriété Forestière, on est un établissement public Oui. et on a la particularité d'être administré par des propriétaires forestiers élus. Donc en fait, D'accord. les propriétaires de plus de 4 hectares, les propriétaires à plan simple de gestion comme vous et les propriétaires qui ont un document de gestion durable, donc code de bonne pratique sylvicole ou règlement type de gestion, votent des représentants au conseil d'administration du CRPF. Donc on a des D'accord. missions régaliennes, donc l'instruction des plans simples de gestion, qui sont les documents de gestion obligatoires pour les propriétés de plus de 25 hectares, d'un Ah, il y seul en a plus tenant. de 25. C'est le cas ici. On rédige également les schémas régionaux de gestion sylvicole, qui est le document cadre sur lequel on s'appuie notamment pour les plans simples de gestion. Et puis on a surtout une grosse mission de développement forestier et de vulgarisation forestière auprès des propriétaires privés, donc principalement par de l'appui technique et de l'appui administratif sur un certain nombre de projets. Toutes les questions qui sont techniques qui touchent à la forêt, nous on peut apporter un appui technique. Alors, ça c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien avoir votre avis, c'est par rapport à la nature des terrains ici, quel type de plantation, parce que donc c'est principalement une chênaie qu'on a, mais il y a quelques peupliers, il y a eu quelques plantations de Douglas qui ont été faites. Donc oui, donc ma question c'était par rapport au sol, le sol d'ici, et la nature des plantations. Alors, des choses assez variables. Le mieux, à la limite, c'est de voir quand on va faire le tour, voir comment se comportent les essences. Ça D'accord. sera le plus simple. Parce Oui. que, en plus, c'est toujours difficile de dire comme ça, parce qu'on a des critères, évidemment, en fonction de l'adaptation des essences. Mais on a aussi des écotypes qui sont plus ou moins adaptés. Donc, on va avoir dans notre chêne pédonculé, on va avoir des chênes qui sont habitués, qui viennent de générations d'arbres qui sont habitués à être sur sol argileux, qui vont mieux supporter les sols argileux que d'autres qu'on sort de sol limoneux, par exemple. D'accord. Ah oui, ça aussi. Et il y a une particularité technologique, c'est que le Douglas, quelle que soit sa vitesse de croissance, il garde les mêmes propriétés technologiques, ce qui n'est pas le cas de l'épicéa. Ah d'accord. Si vous voulez avoir de l'épicéa pour faire de la fermette, pour faire de la charpente industrielle, il va falloir Il qu'il faut ait attendre un une certain temps. croissance assez lente et assez régulière pour avoir des cernes le plus fin possible et le plus régulièrement possible. Un Douglas, quelle que soit sa vitesse de croissance, il garde les mêmes propriétés mécaniques. D'accord. Et Exactement. entre le chêne et le hêtre, qu'est-ce qui... Il y en a un qui pousse plus... Le hêtre pousse plus vite? Le hêtre a un âge d'exploitabilité qui est plus courte Plus court que que le le chêne. chêne. Vous pouvez faire un beau hêtre en 80-100 ans, alors que le chêne, il faudra au moins 100, plutôt 120, voire D'accord. 150 pour les meilleures qualités. Par contre, en vente, le chêne se vend un peu mieux que le Bah, hêtre. surtout à l'heure actuelle, le hêtre, il faut mieux le Il y en a garder. partout. Parce que là, on est à 40 euros le mètre cube. C'est le prix du D'accord. bois de trituration. C'est pas... Bon, pour l'instant, le hêtre, il faut le garder. Et le D'accord. merisier? Le merisier Il a besoin de combien? se vend toujours très bien. C'est un peu ce qu'on a vu avec la crise, c'est que les bois de qualité s'en sortaient mieux que les autres. On a eu une grosse chute, mais il y avait quand même les beaux chênes et puis les beaux bois de qualité type merisier, alisier, qui continuent à bien qui s'en sont plutôt bien tirés par rapport aux autres. Ouais, la meilleure protection contre le gibier, c'est un plan de chasse. On a. Pas trop conservateur et qui permet de réguler la population. Alors on peut aussi juste faire un tour comme ça et puis Ben on va faire un petit tour, oui, et puis en faire un petit fonction tour et puis en de. fonction de ce qu'on voit, Oui, tout à fait. on s'arrête. La norme qu'on a en forêt, c'est le périmètre de débardage de 500 mètres. D'accord, ça va Ça être fait un d'accord. kilomètre aller-retour de distance Oui, de d'accord. sortie des bois. Et au-delà de ce kilomètre, le coût d'exploitation juste pour aller chercher les bois, ça coûte extrêmement cher aux marchands de bois. Donc il le répercute sur le prix d'achat. Donc pour que le propriétaire qui se donne le mal de faire une bonne gestion forestière puis vendre ses bois au juste prix, nous on incite à respecter plus ou moins ce périmètre de 500 mètres de débardage. Et je disais, quand vous avez des beaux bois, même s'ils sont là en dehors des 500 mètres de débardage, Ils vous vont les avez des beaux chercher. chênes, des beaux hêtres, s'il doit faire 600-700 mètres pour aller chercher du marin, il les fera. Ça ne se pose pas de problème. Et c'est pour ça qu'elle me posait la question si la route était suffisante, si on ne fait pas plus. Je lui disais qu'une route située au milieu du massif, avec en plus le réseau de pistes qu'on voyait, c'était largement suffisant D'accord. pour desservir ce massif-là et avec la qualité d'arbres qu'on voit pour l'instant. D'accord. La sylviculture a fait qu'on l'a compressé dans le sous-étage pour le pousser à monter vers la lumière et garder le fût bien propre, qu'il y ait un élagage naturel qui D'accord. soit fait. Donc ça, c'est typiquement un arbre de futaie. Et à côté, quand on voit le charme, on se dit que c'était un brin de taillis qui a fini par faire sa place et qui est monté dans l'étage dominant. D'accord, je comprends. Euh,
C'est un champignon qui rentre dans le bourgeon et qui crée un flétrissement des feuilles, ce qui rentre dans les tissus vasculaires. Et on a cette espèce de nécrose brun-orangé. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit ça, j'ai un doute. On a une espèce de nécrose brun-orangé comme ça, qui tue la tige et qui crée des rejets qui flétrissent à leur tour. Et là, depuis 2 ans, c'est rentré en France et on a un gros suivi de propagation de cette maladie. Parce que les affouagistes, en général, c'est les administrés d'une commune qui vont couper du bois de chauffage en forêt communale. D'accord. C'est que la commune offre à ses administrés l'accès en forêt et des lots de bois. Donc ils achètent à prix modique. Et voilà. Donc c'est ça les affouages, c'est ça, c'est la vente de bois de chauffage pour les administrés d'une commune. La différence entre bois d'œuvre, qui les usages plutôt nobles du bois, qui sont les chaînes du mélange TI futé, et puis le bois d'industrie qui est du bois de très courte dimension, en général on parle de billons de 2 mètres, 2 mètres 50. Pour tout ce qui est palette, trituration. Donc les charmes. Le charme est plutôt voué à ça. D'accord. Et en fait, maintenant, on parle de mélange TI futé. Avant, on parlait de TSF, donc de TI sous futé, qui était l'ancienne appellation. Et cet S-roll-là, en fait, on avait une rotation de coupe dans la futé pour 2 rotations de coupe dans le TI. Question, vous voyez, moi, j'ai sorti la photo aérienne. Pour recouper par rapport à votre. Par rapport à ce qu'on a. Alors, nous, les photos aériennes datent de 2006, le plan de gestion est plus vieux que ça. Donc il y a toujours une petite latitude, je vous dis, il y a quelque chose entre la science et là. Mais ça nous permet de préparer ça. Et les gestionnaires fonctionnent de plus en plus comme ça, voilà. Et nous, on est quelque part par là. Donc ça permet d'avoir une idée de ça. Et en général, ils viennent sur le terrain pour valider. Ils font déjà des premiers zonages, et puis après, ils viennent caractériser leur zonage de façon un peu plus qualitative. On voit bien les plantations qu'on va aller. Et là, on voit bien les plantations, exactement. Même la tâche qu'on a vue tout à l'heure, on les voit bien. Ah oui, on voit bien. Pareil, toutes les trouées chablis qu'on a sur le plan en rose en point de cire, on les voit bien. Regarde, ça a été planté en fait, non ? Est-ce qu'on a vu Est-ce que c'est pas les peupliers du peuplement d'avant ? Ils sont pas mal quand même. Alors là, vous voyez, ils ont été inventoriés. Je pense que les points oranges qu'on a vus, c'est vous qui avez fait un inventaire ? Comment les ? Les points oranges, parce qu'on l'a vu sur du chêne aussi en descendant. Oui, c'est ça. Et là-dedans, on a mis du chêne. D'accord, là le chêne a été. Là on a mis du chêne et il y a eu des problèmes de. Enfin c'était quoi, en 2007, il y a eu de la sécheresse. Et alors je tenais. Bon c'est vrai que c'est un coin, on n'est pas. Parce que c'était fait en liaison avec ça. Et du hêtre de Mila, du chêne. Ben, je ne sais pas, vous n'êtes pas encore allé. Non, on n'est pas encore allé là. L'année dernière. Parce que ce petit lot que j'avais vendu, là, qui était quand même, bon, il était en bordure, il s'était quand même moyennement vendu, pas trop trop mal si on veut. Et on vend, il y a une grande groupe de peupliers faits par des confrères experts en région pleine de Saône, au Saône. Hein. On regroupe des lots uniquement spécialisés de peupliers, donc en décembre, tous les ans en décembre. Et là, compte tenu du fait qu'on semble qui est un frémissement un peu une meilleure donne du peuplier. Donc ce que je pensais, c'est un métier en vente. Là, on est encore dans les coûts au point de vue délai. Ouais. Il faut qu'on éclaircisse là dans cette année. Enfin, donc on peut voir. Et là, c'est la parcelle qui vient d'être coupée en 2010 octobre. Alors j'avais, quand on s'est vu avec les gens du BEFC, c'était juste avant la vente, si je me rappelle bien. J'ai eu un stress parce que, si vous voulez, il y a des acheteurs. Ce qu'ils disaient, il faut que ça soit fait sérieusement. Vous savez, il y a le ruisseau au milieu, etc. Et ça a été le fameux plus belle dont vous avez entendu parler, mais vous, si vous êtes encore. C'est vraiment le type. J'ai déjà entendu parler. Il a un débardeur que j'ai surnommé Attila parce qu'il vient partout. Et quand il pleut, on leur dit de pas venir. Quand il pleut, il vient, il fait. Et heureusement, bon, il y avait monsieur, parce qu'il y a un chasseur, M. Liéget, qui habite là, et qui est vraiment c'est lui qui s'occupe de trouver les affrugistes, enfin les gens qui font les têtes de chêne, etc. Et c'est un amoureux de la forêt, et heureusement qu'il est là. Oui. Et alors là maintenant, ce qui est intéressant, si on peut voir, parce que donc les branchages ont été faits, il y a l'éclaircie, enfin une partie de l'éclaircie dans les fêtes, parce que tout n'a pas été fini, et dans la parcelle, dans la coupe de cette année, normalement on devrait refaire une éclaircie 14, 15, 16, 17, là, je sais pas, 2011. 2011 ou 2000, je sais plus combien, 14 à 17, éclaircie freine, voilà, c'est ça. Donc j'avais commencé un peu dans 14, 15, et avec cette préoccupation de la maladie du freine qu'on va apparaître, je ne sais pas si elle apparaît. Là. Vous avez déjà fait un peu un état des lieux du Calarane. On est en cadre contaminé, de toute façon, ici. Hein. Tout le sud de la Haute-Marne, on est considéré comme contaminé.
comme mais la Haute-Saône. Contaminé, ce qui se passe, c'est que nous, on a des cadrats de 16 km sur 16 km, et à partir du moment où on trouve un peuplement qui est contaminé, tout le cadrat est contaminé. Donc, ça veut pas dire que tous les freins sont touchés. Mais tout à l'heure, on regardait qu'on était près du petit triangle là. Et il me semble que les freins, les tiges sèches avec la petite nécrose orange, à mon avis, c'est ça. On pousse pas les propriétaires à faire du frein, mais on leur conseille quand même de, pour l'instant, tant qu'on n'en sait pas plus, de limiter les investissements au maximum, de ne pas se lancer à faire des élagages, des choses comme ça, des déformations, parce que ça peut être une perte sèche. Par contre, voilà, pas céder au vent de panique et couper tous les peuplements de frênes, parce que justement, on a l'espoir d'avoir un individu résistant et de se rendre compte que ça va se tasser. Mais c'est vrai que là, c'est un peu la panique à bord, parce que on se rend compte que tous les peuplements de frênes, et en plus, en train de remonter vers le nord. Le problème des peupliers, on a des soucis de plus en plus récurrents sur les peupliers. On a planté beaucoup de clones dans les années dernières, en particulier, il y a ce qu'on appelle le Beaupré, qui est quelque chose qui a été subventionné, pouliné, enfin, on a été poussé, enfin, tout, c'était vraiment le nec plus ultra des choses qui se vendaient très très cher. Mais, et puis, on a eu l'attaque de rouille sur ces. Et maintenant, c'est la catastrophe. On a eu l'I-214, qui est un très bel art, avec le puceron la Niger, qui attaque les peupliers. Qui est dans l'aube, dans l'aube. On a le Dorscan, du coup, on ne sait plus quel trou, quel clone a planté le Dorscan. Surtout que là, il y a un nouveau wagon de nouveaux cultivars qui arrive. Mais alors, c'est-à-dire qu'au début, c'est tout beau, tout nouveau. Le Beaupré, moi, j'ai des plantations, on disait, c'était un peu le Douglas du peuplier, enfin, ça pousse très vite. C'était le top. À votre avis, donc, est-ce que ça vaut le coup de garder des petites parcelles de peupliers ou est-ce que... Mais c'est plutôt au propriétaire de le voir parce que. Le peuplier, c'est des rotations qui sont autour de 20 ans. Beaucoup plus court. Beaucoup plus court, donc ça vous fait une rentrée d'argent à court terme, contrairement à quelque chose comme un mélange. Ça permet d'avoir une rentrée d'argent à 20 ans, puis de diversifier un peu aussi bien au niveau biodiversité sur le massif qu'au niveau de vos rentrées d'argent. Avec, juste pour nuancer un peu ce que vous disiez, la différence ici par rapport aux problématiques du Beaupré, c'est que, comme vous disiez, le Beaupré, ça a été l'essence miracle, et tous les propriétaires l'ont planté au même endroit. Oui, c'est ça. Donc dès qu'il y en a un qui a chopé la rouille, le peuplier c'est toujours le même individu, c'est des clones. Dès qu'il y en a un qui chope la rouille, c'est ça, ça a été fini. Là, vous êtes quand même pas dans un massif à peuplier, donc il y a moins de soucis. Quand on fait une plantation, on peut pas planter plusieurs espèces, on est obligé de planter que du Beaupré, que du. Si, mais en général, par rapport au débouché, vous êtes mieux de faire du monospécifique ou d'avoir. Si vous avez une grande surface, vous pouvez mettre deux essences. Vous avez un peu de variabilité stationnelle, mais en général, on plante en monospécifique. Et là, c'est vrai que si on pouvait. Moi, surtout que là, ce n'est pas une très grosse surface, il y a 4 ou 5 hectares de peuplier en tout. Oui, il y en a combien, c'est ce que je regarde. C'est pas beaucoup par rapport à 4,65 hectares. Il n'y a pas beaucoup de. On peut rester sur du peuplier. Donc on peut rester. Il faut espérer qu'on trouve quelque chose, mais peut-être que 10. Mais le Fritzi, c'est pas idiot, parce que je sais qu'on en parle de plus en plus, même en hors-vallée, en relais cultural, après une coupe rase, de mettre du Fritzi. On l'exploite à 20 ans, 25 ans, parce que la rotation est un peu plus longue, on le pose jusqu'à 25 ans. Et après, comme il rejette, ça nous crée une ambiance forestière pour mettre une plantation pour accompagner une régénération. C'est vrai. Et puis là, l'essentiel de plantation, c'est là. Et la zone qui a été plantée simplement en partie, où est-ce qu'on est ? C'est celle-là, il y a eu du chêne de planter sur cette partie-là. Et cette zone-là, parce qu'il y a du. En fait, c'est le Douglas, il y a du Douglas de chaque côté. Et là, moi, j'avoue, il y a le Talweg, enfin, il n'est pas exactement, il est comme ça le Talweg, un peu, avec du tronc. Et j'ai vu, compte tenu des sécheresses successives, parce que c'était en 2007, il y a eu 2007, avril 2007, il y a eu ces choses comme ça. C'est Nodet qui nous a planté avec des entretiens. D'accord. En essayant de faire un peu de biodiversité, parce qu'il y a du semis naturel de Douglas qui s'est fichu dedans, un peu de frêne, du merisier, donc il y a un peu de tout. Bon, c'est pas des très grosses tâches d'ailleurs, 2005, 2006 ou 2004, et il s'est passé une chose inattendue, qui a été liée à la glandée de 2006-2007, c'est que maintenant, grâce à ces cloisonnements d'exploitation qui ont donné de la lumière au peuplement, on a des coins où on a, alors on a de la chance, un magnifique semis de chêne qui s'est levé, et dans le plan de gestion qu'on vient de boucler là à l'instant avec vos collègues de Côte d'Or, là, de Bourgogne, on a dit qu'on allait essayer de faire de la régénération, enfin, la régénération naturelle de chênes assistée sur des zones où, sans le faire exprès, on a eu une coupe d'ensemencement du spinchet avec ces cloisonnements qui étaient au début, c'était pas un but en soi, c'était pour. Et il s'est trouvé qu'on a dû faire ça en 2004-2005, et ensuite la glandée de 2006 et 2007 d'ailleurs. Et ben on a des coins.
Regardez l'accroissement là, oui, voyez. Là, c'est l'écart. Là, il y a un sacré accroissement. Ouais. Il fait pratiquement presque un centimètre sur le rayon. Hein. Enfin, ouais. Ensuite, il poussait moins. Ensuite, il poussait moins. Ah oui, c'est la distance entre l'intérêt du frêne, c'est de couper pas trop tard. Là où il se vend bien, c'est quand il fait 45-50 de diamètre. Alors qu'un beau chêne de 80 cm de diamètre, ça se vend bien. Et là, il avait quel âge alors je pense qu'il avait peut-être une centaine. Enfin, je sais pas, moi je le vois autour d'une 80 à 100 ans. Ouais, une année, c'est ça. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit 76 à la fin, vous voyez, les accroissements sont très faibles. Petit, là. Oui. Alors, du coup, à la limite, ce qui aurait été. C'est comme nous, quoi, quand il devient vieux. Voilà, il en compte, en fait, s'il ralentit, c'est parce que là, il rentre en concurrence avec ses voisins. Voilà, il y a l'autre à côté. Il y a une concurrence qui se fait en lumière. Voilà. Et l'autre qui ralentit ses accroissements. Et là, par exemple, vous voyez, on a laissé ces deux. Bon, en plus, il y avait beaucoup de fourchus. Il y a celui-là et celui-là. Bon. Ce qui est marrant, notamment sur résiné, ça se voit très bien. Quand vous coupez un épicéa en définitive, vous voyez les périodes où ça ralentit, rentre en concurrence, il y a une éclaircie qui est faite et hop, ça reprend. Ah, c'est sûr. Et rentre en concurrence. Ça fait l'accordéon. Vous avez déjà vu ça? Ouais. Ça fait l'accordéon. On a vu ça en BTS sur épicéa, c'est assez impressionnant. On voit les périodes. On voit vraiment le. On peut suivre le plan de gestion. L'influence anthropique. On voit vraiment l'influence anthropique sur la croissance de l'arbre. C'est assez marrant à voir. C'est l'histoire, quoi. Ouais. Il s'approche d'un individu concurrent, il s'arrête. Ah oui, d'accord. Donc il faut être très vigilant parce que dès qu'on voit que cette phase de ralentissement apparaît, il faut tout de suite faut vite lui faire de la place. Tout à fait, il a besoin il a besoin d'espace. Il a besoin d'espace, le frêne. D'accord. Et là, il faudra taper à bon avis. Vous regardez, il n'y a aucun, peut-être à une exception près, mais vous voyez bien, les houppiers ne se touchent pas. Hein. Toutes les grumes ont été enlevées par l'acheteur, le fameux acheteur Hubel dont je parlais, qui débarde. Et ensuite, les branchages sont vendus. Grâce à l'intermédiaire de M. Liégey, le chasseur, qui a une bonne dizaine de gens du coin, qui sont tous des gens du coin, qui aiment bien la foi, qui font ça, vous voyez, qui font. Et ça, c'est pour leur chauffage. D'accord. Alors, ils ont des petits contrats chacun, des petits contrats en bonne et due forme de vente pour. Ah oui, d'accord. Et voilà, et des fauches. Viticulture, les ingénieurs de l'époque, alors c'était bien parce qu'il y a eu des querelles au moment. Moi, ça m'amuse de voir les articles qui datent des années 49, hein, ça a 60 ans, et on disait, on parlait des graves problèmes de régénération. Alors pourquoi aussi il y a eu ces bouquets de Douglas qui ont été mis? Ben là, c'était par M. Vinet, à mon avis. Oui. Donc, hein. C'était les années 50-60, on a été confrontés à ce problème. Alors chacun, il y a eu des solutions. Alors, est-ce qu'il faut faire des petites coupes, des enrichissements sur des mouchoirs de poche, sur des petits trucs, ou alors les grandes coupes, comme la caisse de dépôt de consignation qui met en l'air 50 hectares et qui replante. Donc, c'est la question. Donc, ce qu'elle a dit, la madame Tachon, là, justement, c'est un problème général. C'est un problème général. Hein. Ouais. C'est un problème général. Et il est moi, à côté de ça, je trouve que la forêt du Rouillot, par rapport à bien d'autres forêts, on a quand même encore un bénéfice d'un capital sur pied qui est quand même pas négligeable, enfin, qui est quand même. Et moi, j'essaye de croire un petit peu aux possibilités au moins partielles on parlait des cloisonnements, un peu de régénération naturelle, sachant que la régénération naturelle, il faut suivre, c'est pas quelque chose qui n'a pas. Et c'est dans ce genre de choses. Et puis ils sont derrière. Ouais. Et on voit les traces des anciens chablis, là, les souches. Ça aussi, c'est une petite souche. On peut peut-être se montrer que sur les arbres de cette dimension-là, il n'y a pas eu des laillages. Ouais, ils sont quand même pas branchus. Ouais. Mais si vous voulez, au point d'une branche fine. C'est une belle dimension. Alors ils ont été plantés sur le haut. Ouais. Et puis là, on va voir juste le petit carré qui a été. Là, on est en diversité. Ouais. Là, c'est bon. Et par contre, les Douglas qui restent en place, vous vous inquiétez pas au moment de l'exploitation par rapport à la régénération que vous allez avoir? Pardon? Quand vous allez exploiter les Douglas qui restent là, vous n'avez pas peur que ça écrase la. Oh, je pense que. Il y aura un petit sacrifice qui sera fait. Il y aura fait. Peut-être un petit sacrifice parce qu'on en a déjà coupé là-dedans en 2007 puisqu'on avait des dépérissants. Il y en a peut-être une dizaine. Hein, donc, enfin, à un moment, je me dis qu'est-ce qu'on fait. Moi, je voulais garder quand même ceux-là pour faire des petits. D'accord. Voilà. Et non, ça n'a pas été. Ça joue sur. Ça fait des couloirs de cloisons. Oui, d'accord. Oui, vous les non, mais c'est vrai. Dans le même sens. Parce que comme ça, on peut se poser la question. Mais en les poussant à l'extérieur. Ouais. Donc,